Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Anthony Mangin. Je suis responsable d'affaires chez Actemium Décarbonation Nord et Est. Donc, on s'occupe. Actemium est la branche industrie de Vinci Énergie. Donc, c'est à peu près 150 entreprises en France. Et donc, l'entreprise Décarbonation Nord et Est est là pour accompagner donc les industriels dans une trajectoire bas carbone. Donc, dans la trajectoire bas carbone, les leviers de la décarbonation, ce sont quatre piliers principaux: la sobriété énergétique, la stratégie d'électrification des procédés, le process matière-usage, captation et stockage de CO2. Et donc, sous ces différentes parties, Actemium accompagne les clients sous une méthodologie 360 degrés, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc, la première partie en 1, identifier donc les éléments les plus carbo-intensifs. En deux, mesurer et quantifier ces gisements d'économie. En trois, concevoir et réaliser, parce qu'effectivement, la force d'Actemium, c'est d'avoir 150 entreprises en France présentes sur tout le territoire pour accompagner donc nos clients. Et via la partie 1 et 2, identifier, mesurer, on va pouvoir réaliser les travaux tout en interne sur ces parties-là. Et enfin, on finira par le point 4, qui est suivi et amélioré. Donc, dans une boucle d'amélioration continue, donc de valider les gains et les travaux qui ont été réalisés en amont, et après de suivre et de proposer des pistes d'amélioration pour toujours améliorer donc l'impact carbone d'un de nos clients. On va passer sur la partie 1, donc identifier toutes nos actions qu'on va pouvoir mettre en place avec les clients sur cette partie de décarbonation. La première partie, sensibilisation, donc par l'animation d'une fresque du climat, par une formation, information sur le changement climatique, les enjeux, les problématiques. Dans un second temps, un quick scan qu'on peut réaliser, donc un quick scan énergie, on va pouvoir un peu faire comme un audit énergétique, mais en beaucoup plus rapide et dégager un maximum d'actions dans un premier temps. Le troisième point, pardon, c'est l'audit réglementaire ou volontaire, donc en fonction de l'entreprise. Si vous pouvez repasser la diapo, merci. L'audit réglementaire ou volontaire en fonction si l'entreprise est soumise ou non à ces éléments-là, on va pouvoir l'accompagner. Et également l'accompagnement ISO 50001. Donc là, on va pouvoir détacher un ingénieur en efficacité énergétique qui est composé dans mon équipe pour pouvoir ponctuellement, sur une durée à déterminer en fonction de la taille de la structure, accompagner le client dans la démarche ISO 50001. Sur la partie 2, mesurer et quantifier. On va pouvoir proposer du plan de comptage, donc en amont d'un monitoring énergétique, déterminer les capteurs à mettre en place, la technologie à utiliser, les IPE, donc les indicateurs de performance énergétique également à prendre en compte, voir un petit peu les points les plus énergivores de l'entreprise, pour après, dans un second temps, donc proposer le monitoring énergétique pour superviser et monitorer avec des alarmes et des benchmarks constants de ces valeurs. On a l'outil ACT et bilan carbone qui va nous permettre donc, comme son nom l'indique, de réaliser des bilans carbone pour nos clients sur les différents scopes et pouvoir justement évaluer l'impact d'une action à mettre en place ou l'impact d'un process dédié. Le décret tertiaire également, puisqu'on a du tertiaire, des bâtiments tertiaires dans l'industrie et on peut accompagner nos différents clients justement sur ces aspects décret. En trois. Donc, on va retrouver tous les travaux qu'on aura pu identifier sur les audits, les quick scans énergie qu'on aura détectés. On va pouvoir les mettre en application et les réaliser en interne chez Actemium, avec les différents Actemium de la région, qui sont chacun spécialisés dans une ou autre thématique en relation avec la décarbonation. Et derrière, on va pouvoir réaliser justement des solutions clés en main pour nos clients. Et pouvoir justement trouver les financements, les C2E associés et monter un dossier complet pour eux. Et sur la partie 4, qui va être le suivi et l'amélioration, donc deux points. Le premier point, ça va être sur la partie contrat de performance énergétique, donc les CPE. Donc effectivement, Actemium est capable de s'engager sur des CPE par rapport aux actions qui ont été engagés pour valider et garantir les gains par un contrat. Et sinon, dans une autre action, ça va être le référent énergie-environnement. Parce que souvent, la personne énergie-environnement de nos clients, c'est des personnes qui ont une double casquette, voire plus.
Et effectivement, ils n'ont pas le temps nécessaire pour aller vraiment profondément dans les dossiers ou dans les sujets énergie et environnement. Et nous, on est capable de mettre sur une semaine, une journée ou un mois un ingénieur ponctuellement pour les accompagner sur ces différentes démarches. Donc voilà pour la présentation d'Actimum Décarbonation. N'hésitez pas à me contacter par email pour toutes les questions ou renseignements nécessaires. Voilà, ce que vous avez entendu, c'est un bateau qui passe pas loin, mais ça correspondait à l'heure du gong, donc c'est très bien synchronisé. Merci beaucoup, merci Anthony Manguin. J'avais une question, des fois sur cette question de la décarbonation de l'industrie, et je pense plus particulièrement au captage du CO2, on a besoin de beaucoup d'innovation, et Oui. comment vous prenez en charge cette innovation et le fait d'avoir à mettre en place des solutions innovantes, nouvelles, etc. Alors sur cette partie-là, effectivement, on est accompagné et structuré en interne, par exemple sur de la captation et la réutilisation via l'hydrogène, la méthanation. Donc on a effectivement un service dédié qui peut accompagner sur des projets cas par cas sur ces parties-là. Et on est capable de mailler l'ensemble des solutions. Très bien, merci beaucoup.